Notre cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 15e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Diamant Étincelant. Et nous sommes finalement arrivés à Verchamp, où se trouve la 4e arène du jeu, qui est une arène de type eau. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis pour se débarrasser de cette arène. Alors évidemment, la complexité, c'est qu'il y a des Pokémon de type eau et sol, évidemment, pour pallier à la faiblesse électrique du type eau, bien évidemment. Mais comme on a Meherbe sur Pintoup notamment, ça peut passer puisqu'il résiste aux attaques de type eau, ce qui peut être pas mal. Après, c'est sûr que un type mort en plus pourrait être pas mal, mais on n'en a pas, donc on va faire ça. Alors on aurait pu entraîner le Rosebu, comment c'est vrai. On va faire ça, ça c'est pas grave. Et donc voici la reine de Verchamp. Benoît, le garçon à la bouée. On va nous stébouer. Tout de suite lancer l'attaque étincelle. On commence doucement. Yves le pêcheur. On va Barloche. Ah tiens voilà. Il y a un petit pro et sol Barloche. Évidemment c'est un Pokémon de merde mais... Ah oui Barloche, si c'est pas Barbicha à la rigueur. C'est bon ça on a gagné. Alors, on enchaîne. Alors, lui. Lui, le marin. On va goéline. Évidemment la double faiblesse. Deux gorillies, on fait là. On va jeter le deuxième. Angélique, la fille à la bouée, on va Azur. Azur, il se fait one shot. On arrive. Il va pas subir le même sort.
Yann le pêcheur, on va poissirener. Éclat magique. Pour l'instant, on va virer téléport. À prendre de l'herbe dans le voir aussi. Enfin bon. Hakim le bar. On va sans copier. Bon, le match tant attendu va avoir lieu dans quelques instants.
Eh ben les dégâts du fameux Léviator Saumur, hein, qu'on apprécie beaucoup, alors que Cascade évidemment ça fait plus que deux fois les dégâts, mais ça on n'en reparlera pas. Sachant qu'il y a Darn USA, on s'en fout. Marest. Est-ce que c'est lourd un Marest? Je pense qu'il va prendre. Il y a une double faiblesse quand même. Hein. Il a de bonnes chances de se faire one shot. Voilà. Il y a juste des potes à la fin, je pense. Ah, bon, c'est pas mal. Un minimum deux fois, hein. Si là il se met à faire danse, lui. J'y vais. Et putain. Dégage. Il a fait crogible. Bon, c'est gagné assez largement ce petit match. Quatrième badge d'arène. C'est la moitié du chemin acquise. C'est sûr et certain, ça. C'est 55 minutes. Le Léviator Saumur était décevant, franchement. Alors lui... Alors avant d'aller suivre ce mec... C'était 97 anti-brune.
Alors, Ivan. Toujours à vouloir te fight. T'as aucune chance contre moi. Je vais te casser en deux là. Avec Etourmi, il n'a toujours pas fait évoluer son putain d'Etourmi. On est à la quatrième arène du jeu. Le mec se fait. Vraiment, le mec, on sait pas ce qu'il branle dans sa vie. Il est niveau 26, son putain d'Etourmi de merde. Alors là, ce rival, franchement, c'est incroyable. Tu m'expliques. C'est pas possible de prendre ce point. Ah, Mustébouillé. Ah, de faire une dégage. Même lui, Mustébouillé, niveau 26, je crois que ça évolue en Mustébouillé, en Mustéflotte. Je sais pas. Il fait hâte. Oh là, il se fait complètement défoncer. Ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo après ce combat d'arène, ce combat de rival remporté. La prochaine fois, on suivra du coup ce membre de la Team Galaxy et progressivement, on se dirigera vers la cinquième arène du jeu. Ce sera celle d'Union Police. Hein. Je rappelle que lorsqu'on pourra l'affronter, ce sera dans pas longtemps, et bien on retournera à Union Police pour affronter Chimera, la championne d'arène. Qui est une arène, enfin qui sera une arène de type Spectre, pour ceux qui ne savent pas. En tout cas, voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci.